Coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du live du Note Soberry. On se retrouve évidemment comme d'habitude, comme les dernières fois à Wakaba, enfin bref, à Monkomorebi, où on retrouve notre petite famille. Ça, en fait, il n'y a plus de musique, j'ai l'impression qu'il se passe rien dans ma vie. Enfin, il se passe rien non plus, mais voilà. On retrouve notre petite famille Rainbow, où tout le monde dort. Et les gamins vont bientôt aller à l'école. Oula, tu pues, toi. Va te laver, dégueulasse. Espèce de cradoc. Espèce de caradoc. Mais tu... Commence pas à me saouler, mademoiselle. Parce que... Je te l'ai dit d'aller te laver, si tu perds du temps, ça m'énerve. Les enfants qui grandissent dans 3 jours! Aïe, 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 aïe. Donc, normalement, aujourd'hui, ils devraient devenir ados. On devrait les voir grandir. Donc, ce serait bien, effectivement, qu'on finisse la génération de Copper. J'ai le nez qui gratte, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Et donc, il nous faut... La pâtisserie et le charisme. Je crois que c'était tout. Je crois qu'il nous manquait que ça. Parce que par défaut, je croyais qu'il y avait la programmation à cause de sa boîte, à cause de son métier. Mais pas du tout. Orange, charisme et pâtisserie. Ok, nous sommes au niveau 8. Presque 8,5. C'est faisable. C'est carrément faisable. Aujourd'hui. Donc on va le faire à fond. Les ballons, les baloches et cornemuse. Voilà. Clap YouTube, c'est ça. Clap, bonjour. Ah bah lui qui s'il savait encore faire des... Merde. Ça va Germain? Il s'appelle pas Germain. Oui, il s'appelle Chamallow. 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 Oh, t'es Chamallow. Oh, mon vélo. Elle va en cours. On va travailler un peu. Feignant. Tu vas te faire des amis. Et n'hésitez pas, hein, vu qu'ils vont devenir adolescents, ben foutez-moi des ados dans la galerie Not So Shirley, hein, des beaux ados, beaux gosses et des beaux yeux, pas marrons donc, pour peut-être que vous soyez le prochain géniteur, génitrice de la génération d'après. Voilà. Et oui, les ados. Bah oui. Je vais faire pendant que tu fais de gare. Allez. Après, vous ne savez, on ne sait pas encore qui on va choisir. Hein. On verra bien quand ils auront grandi déjà, parce que s'ils sont dégueulasses. S'il n'y en a qu'un des deux qui est dégueulasse, ce sera l'autre. Si les deux sont beaux, compétition. Attendez, moi je joue pas avec des Sims moches. Hein. Je suis déjà moche moi-même, alors je... quand même, hein, j'ai envie de me faire plaisir de temps en temps. Mais ça va pas peupler le quartier. Le hashtag. C'est Not So Shirley, comme depuis le premier jour, mon petit. C'est Not So Berry, Not So Shirley. Et ouais, parce que je suis mégalomane, en plus, je donne des hashtags à mon nom et tout. Moi, j'ai une beauté de Sims 7 que j'ai créée pour découvrir l'écologie, je vais être ado. Ouais! Disais pour la compétition de génération. Non, en plus... Oh putain, mais lui, j'en peux plus de ce gars. J'en peux plus de la nounou, là. Du mec nounou, là. J'ai demandé à des idées sur YouTube, j'ai pas eu de réponse. Donc, va falloir qu'on se penche là-dessus, mais il faut voir la tronche hein, qu'ils vont avoir. Parce que ils sont ronds, auteurs de best-seller, la carrière... Ah non, ça c'est l'aspiration, la carrière à faire. Caractère soigné, froid, créatif. Peut-être une compète de peinture. Du coup, faut faire un peu comme les princesses. Compléter la collection de cartes postales. Oh, l'enfer. Maximum dans la compétence écriture et bien-être. Avoir un jardin bien entretenu. Compléter l'aspiration auteur de best-seller et quitter son job une fois adulte pour poursuivre votre rêve. Crise de la quarantaine. Parce qu'il y a les traits créatifs. Alors, on va pas être sur de la peinture tout le temps, en fait. Hein, vu que ce sera plus ce best-seller qui est l'objectif de la génération. Je sais pas. Lettre d'amour. Oh oui, on attend la suite. Hein. Oh, oh. Lettre d'amour. Hein. Pardon.
Alors, il y a des trucs encore à bouffer? Ah bah c'est bien, il va manger. Non, pas un sac en papier. À chaque fois, je me fais avoir. Je dois avoir des poils là, dans le... Des poils de chat dans le pif, c'est pas possible. Celui qui écrit le meilleur livre. Bah... Je sais pas, parce que ce sera un peu... Si c'est un premier, ils vont pas être terribles, quoi. Les cartes postales, tu peux déjà commencer. Bah ouais. Mais je voudrais le faire avec celui qui gagne, tu vois. Ah là là, quelle belle maison à Mankomorebi. Gros porc, va. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Vous voulez préparer des pâtisseries? Cake aux fruits, pain à la banane, tarte à la crème aux bananes, pudding au pain. Et on voulait faire de la gelée arc-en-ciel, mais il nous manquait une mûre cerise ou fraise. C'est des trucs de printemps, ça, on est en été. Mais attendez, je sais plus où est-ce qu'on est en été. Je... T'avais pas des graines, toi? Ah non, c'est lui qui les avait achetées. De la... Où? Et des chrysanthèmes. Il faudrait des fraises, des cerises ou des mûres. De toute façon, je sais où aller, hein. Tu peux aller à Windenburg pour ça. Bon, bah Jacqueline, tu vas quand même faire à bouffer. Faire les pâtisseries. Aujourd'hui, c'est ton jour, hein. Tu fais des pâtisseries. Poil au zizi. Tu vas m'en faire. De toute façon, c'est la même chose qu'on clique sur l'un ou sur l'autre. Du pain au fromage aussi. Allez, c'est parti. Tu vas cuisiner. Finir. On va encore avoir des trucs à faire. Salut Quentin, comment tu vas? Oui, ça me semble bien la compétition, bien sûr, si on trouve pas mieux. Ouais. On en fera genre sur 5, 6, quoi, histoire qu'il y ait de la... Et non, si X gagne 6% à chaque fois qu'il fait de la bouffe, on n'a pas fini. Hein. Toujours à mettre. Ah, mais mets-le là. Il a une table, mais le mec, il met encore sur la table basse, quoi. Cette obsession pour les tables basses. Oh, toi, tu me saoules. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle geek. Oh là, t'es mal gaulée, toi, regardez-moi ce dos. C'est une sacrée scoliose, ça, madame, hein. Va falloir consulter un médecin, là. Bizarre, mais... Elle est bizarre, celle-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Amitié perdue. C'est Nounou qui... Que t'es triste, mais tant mieux. C'est un chiant, ce type. Allez, encore préparer des pâtisseries, on a que ça à foutre. Pain à la banane. On pourrait nourrir toute la France entière avec ce qu'il fait, lui. C'est vrai qu'on... On gagne pas beaucoup, hein, en... Donc on est obligé de faire pas mal de bouffe, hein. Pour que ça augmente considérablement sa compétence, donc bon, voilà. Hein. C'est pour ça qu'on avait fait un dîner de pigeons la dernière fois. Moi, les gens, ils ont bouffé. Ah, il a cassé un œuf. Niveau 8, hein, je vous rappelle. Il fait encore des conneries comme ça. Même moi qui est pour un niveau 8, je fais pas des. Je casse pas les œufs par terre et j'y fous pas le pichet de crème ou je sais pas quoi dans. N'importe quoi. Vous êtes bien calme d'un coup? Vous êtes encore là? Dites-moi où vous êtes, le chat. Vous voulez de l'ASMR? Pardon. Chamallow a rencontré Alexandra. Alexandrie. Alexandra. Alexandrie, d'où l'amour danse autour de toi. J'ai plus d'appétit. Que Barracuda. Ah d'accord. Vous avez des occupations très diverses et variées quand même dans les lives. Ah, tu me fais rire.
Le mot interdit, Sean. Allez, lave-toi bien où il faut, hein. Attention, hein. Cucu les petits culs, les bavards et les silencieux. Agent 21, boule agent 21, prout, agent 21, ro. Comment vas-tu, mon petit Ricardo? Ricardo, de la Vega. Tu vas bien? Tu as passé une bonne journée? Bon, il a cassé de moins de trucs, là. Enfin, moi, je m'y risquerais pas de faire tournoyer mon cul de poule pendant que je fais à bouffer, mais bon. Ah, mais ils sont rentrés? Même pas vu. Bah va regarder la télé, gourdasse. Elle va faire du zapping. Et toi, bah tu vas faire tes devoirs, tiens. Et hop! Pendant que sa mère, elle a geeké toute la journée. Et son père, il a fait des pâtisseries toute la journée. En pyjama. Ah, on va essayer d'atteindre le niveau 9 quand même, hein. Parce que là... Ouais, va falloir encore cuisiner un petit peu, les enfants. C'est long. Tourte aux patates douces, pommes de terre, bagel la totale. Mais oui, en fait, moi, j'avais pas fait attention, mais je pouvais faire plein de choses. Mais il faut à chaque fois... Ah non, c'est parce que c'est vrai, j'avais... Mais comment ça se fait? Ouais. C'est quand même... Ah, mais à chaque fois, ça... Mais c'est débile, ce truc, ou comment ça se passe? Je peux quand même pas les faire, en fait. Les mystères de la vie, le mot qui va pas non plus, entre douche et retard, vous aimez cumuler, comment tu vas Anaïs? Oh non, t'as vraiment pas loupé grand chose. Ils sont allés en cours et lui il fait de la pâtisserie. Voilà, vraiment pour te résumer, c'est tout. Donc j'essaye de le faire monter jusqu'au niveau 9. Donc c'est très intéressant, on le voit faire le con avec ses pots, avec ses œufs, avec ses culs de poule. Salut Angel, comment tu vas? Cucubaner, comment tu vas? Comment vous allez bien? J'espère en tout cas. I don't understand why it makes this because Tain, je jure. Vous savez, ce qu'il faudrait faire, c'est aller genre dans un truc de bouffe, un truc de marché là pour vendre les, pour vendre ça. Et il a plus de place, il est obligé d'aller ailleurs. Et ouais. Oh, il est devenu responsable, chamalotte. C'est bien mon biquet. Et toi, tu vas faire tes devoirs aussi maintenant. J'ai hâte. Ils vont devenir ados. Puis lui, il va devenir ado avant elle. Alors ça va pour l'instant. C'est parce qu'il s'est des jumeaux, quoi. Le jour des épreuves de cuisine du CAP, j'ai cassé 3 œufs par terre. Pour vous faire une belle jambe, sachez que je me vais doucher. Je me vais doucher. C'est du français parfait. Merci, Ricardo. Les moins interdits, douche et retard. C'est ça. Et tard aussi. Attention. Quand même. On va vous faire la leçon, hein. Après la dictée et les bannes automatiques, pour ceux qui étaient là hier soir. C'est que dès que vous utilisez un mot, moi je vous théo. Et voilà, Quentin, il a envie de se frotter aux bottes, là. Il a envie d'interpréter des bêtises. Putain, elle par contre, elle a zéro style de vie, quoi. Mais arrête d'être triste. Tristesse partagée, sentiment proche envers quelqu'un qui ne se sent pas bien. Qui? Mais lui, il va arrêter de se plaindre, wesh. S'il est pas content, il fera le ménage. Non mais dis donc, c'est quoi ces gosses là?
Ça m'étonne d'ailleurs, pour étant malveillant, qu'il n'ait pas encore émis du cyanure dans ses gâteaux. Si seulement ça pouvait être possible. Ce serait drôle. Bon, après, tu feras une pause, tu mangeras un peu, hein, parce que... C'est bien beau de faire des... Il a plus de place, il est obligé d'en foutre partout. Regardez, vous levez le matin, vous rentrez du taf, il y a masse bouffe, il y a masse pâtisserie partout, quoi. Oh, au pied. Après, il va manger, Biquet. Va manger ça, tu vas manger... Oui, niveau 9. Yes! Allez! Allez! On va y arriver! Oh, le gros dégueulasse. Toi, t'arrêtes tout de suite de boire de l'eau, là. Courgeuse. Mais de où il va... Mais il est 19h, tu vas pas aller dormir, non? Mais il est con, ce gosse, quoi. Il finit... à la sepie. Il est fini à la sepie. Je sais pas, mange des trucs. Ils vont être obèses. Ils vont y grandir en ado, ils vont être obèses. À force d'avoir bouffé de la pâtisserie. Je meurs d'amour pour cette personne si je trouve une table pareille en rentrant du taf. Il y a de quoi faire. Hein. Ah ! Pardon. Là, il va remanger un truc. Après, il ira pipi. Douche, pipi douche, parce qu'ils peuvent pas encore faire la même chose en même temps, et s'entraîner pour un discours. Pour qu'il augmente son charisme maintenant au niveau 9. Plus qu'un niveau, c'est ça. C'est quoi l'histoire des bans? Ah, on va faire une soirée dictée sur Twitch. Vous allez m'écrire des phrases. Je rigole d'avance déjà. Il y a mon Biquet. Oh oui. Frotte-toi. C'est Sean qui est sur la douche. Vous voyez, c'est Sean, il est en train de faire ça aussi. Enfin, maintenant, il a déjà fini parce que Copper, il est plus rapide. Allez, Biquet. Niveau 9 en charismas. On a quand même 60% à faire. Donc, on va. Voilà. Ah. Il bosse dans 2 heures à minuit, d'accord. Pipi sous la bouche. Tu fais ce que tu veux avec ta bouche, mais t'aimes les douches dorées, Martial, je sais pas. Je suis pas avec Miss. Non mais oui, Quentin, je sais. Ah, banner, quelle horreur. Mais ils vont souffrir dans le chat, ça, je vous le dis. Je suis dans la merde pour la dictée. Je vous rappelle qu'on m'a envoyé bouler pour un entretien parce qu'on a fait nul. Mais en plus, je lui ai dit de... Oh. Je lui ai dit d'aller pisser, vous êtes témoin. Il a pas voulu. Va pisser. Oh, il est 2h du matin, j'ai pas vu le... Oupsie! Bah, de toute façon, on s'en fout, il est au niveau 10. Qu'est-ce que je m'en fiche? L'oracle. Copper a piraté l'ordinateur portable d'un des auteurs vivants les plus populaires du monde. Maintenant, l'oracle détient les secrets du dernier volume d'une série de best-sellers. Doit-il publier son contenu? Bah, on va voir. Qu'est-ce que vous en dites, le chat? On publie ou on publie pas? Même s'il est au niveau 10, je veux dire, faudrait pas faire du caca et qu'il soit rétrogradé. Ce serait dommage. Bien sûr, si vous votez pas comme il faut qu'il est rétrogradé, je vous banne, évidemment. Allez, 4 publications, un pas publi. Joker, c'est le ban. 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 2. Cinq contre 3. Suspense, il n'y en a pas. On va publier.
Copper révèle le contenu, mais la fin est tellement mauvaise que personne ne le croit, et maintenant l'oracle est accusé d'écrire de la mauvaise fiction de fans. Il faut croire que c'est pour cela que les auteurs ne publient pas la première version de leurs œuvres. Qui c'est qui va se faire ban? Qui c'est qui va se faire ban? C'est le chat, c'est le chat. Ah, 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 ah. Salut la drôlesse, comment tu vas? Petit passage éclair, babysitting de full aujourd'hui, j'attends officiellement 20h pour me coucher. Wouah! 20h! Oh, ça commence à pourrir. Bon, ça va, ils vont pas crever de faim, ces gosses. Hein. Mais écoute, tu peux encore rester 20 minutes devant, ça tu t'endormiras devant. Je mets une grève une orthographe, quelle horreur. Vous êtes affreux. Justement, je laisse tomber dans ma... D'accord, pas de soucis, repose-toi. Repose-toi. Prends soin de toi. Alors, tu vas prendre une portion, puis tu vas pisser. Ils ont encore cours, de toute façon, les gosses. Tant mieux. Ça va aller vite, hein. Ça y est, ça commence à pourrir. Ah, bah il était temps. C'est pas que j'aime gâcher de la bouffe, mais ils sont que 4, hein. C'est compliqué de tout bouffer, hein, au bout d'un moment. Allez, toi tu vas aller à la douche et pipi. Et puis après tu viendras manger du pain au fromage. Ouais, pain au fromage et pain à la banane. Allez. Jus! 4000 simflouz d'un coup! Lui 1944 et elle 2212. Bon, elle ramène quand même plus de taf. Hein. De bouffe. Qu'est-ce que t'as, bichon? Pourquoi j'ai entendu quelqu'un parler? Regardez comme il est beau! Oui, il est vénère! Mais il est beau! C'est passé trop vite cette génération! On a trop bien joué avec lui! Par contre. Il est vieux! On dirait moi quand je suis énervée. Allez, détends-toi ton string devant la télé, t'as raison. Oh là là, ils sont vus la quéquette l'un l'autre, là, les deux. Oh là là, bichette. Traumatisme. Pour ce qu'il y avait à voir. À la limite, si ta soeur était ado, je veux bien, mais là... Bon. T'es vénère, toi. Hein. T'es tendu du slipon, hein. Du slipon. Elle est partie se... Non mais viens de bouffer toi aussi. On a de la bouffe là. Et profite. Profite. Après tu vas dormir. Copper qui regarde des abdos d'un autre type. Pourquoi ça divertit bien la télé quand même. Ah, les votes sont ouverts. Attends qu'ils sont pas bleus. Mais si vous recevez les messages plein de lettres qui n'ont qu'un sens et que ma tête s'est avachie sur le clavier, ma bichette. Salut Lika, comment tu vas? Je veux faire cette carrière uniquement pour la tenue badass. Elle est cool, hein? Ça fait un peu Matrix, voire Spike dans Buffy. Et elle, elle fait beaucoup... Ouais, elle fait plus Matrix. Non, elle, elle fait plus Matrix. Ouais, bah j'ai bougé le tapis, donc... Vous savez bien que quand tu bouges le tapis... Et hop, dodo. Et les gamins, ils vont à l'école. C'est super, c'est-à-dire que je m'occupe soit des gamins, soit des parents, mais jamais en même temps. Quoi, Quentin? Oh là là. Bah, tu peux être pioté hein. Non, non, mais t'as un lit. Oh là là, oui, c'est parce qu'il a pris la place. C'est pour ça. Les gamins, c'est bon, ils sont des copains. Bon, écoutez, on va accélérer. Hein. Parce que le temps qu'ils dorment, il se passe rien d'intéressant. Hein. Visite du directeur, on l'ignore. On connaît. On connaît déjà. Axel. Audrey. C'est bientôt l'anniversaire de Chamallow. Ça courra rencontrer Pierre. Bah c'est parfait. Et Audrey, bah dis donc. Ça en fait des connaissances.
Chamallow a rencontré Thomas. Eh bien. Alors. Les vendredis soirs sont parfaits pour transformer des B en A. C'est-à-dire que notre fils est moins intelligent que notre fille. Oui, lui, il a C. Et elle a B. Ah! Mais de toute façon, ils ne retourneront pas à l'école, je pense. Enfin, j'ai peu d'espoir. C'est comme quand je dis que les bambins, ils passeront pas l'hiver. Je pense pas qu'ils vont y retourner. Mange ta barre de caramel. Ah, tout pourri, super. Quelle bonne nouvelle, c'est bientôt l'anniversaire de Sakura. Oh, j'ai hâte de voir leur tronche d'adolescent. Oh, merci. Savoir s'ils sont plus ou moins ratés. Si l'Ovosims, elle a fait une bonne génitrice. Allez, Jacqueline, viens là. J'ai du taf pour toi. Tu vas manger une portion de ça, une portion de ça. Et ensuite, ce sera le charisme. Reste vraiment pas grand-chose avec lui, hein. Ah non, son truc il a pourri entre-temps. Oh, c'est pas grave, ça rajoute du goût. Le Festival des Lumières! Incroyable! Du flux! Oh non, hé! Tu me jettes, hein, saloperie. Information sur les factures. Bah, non, je voulais voir pour les. Oh! J'en ai marre de ces Sims qui sont teubés avec les poubelles. Pas content, tu feras tes devoirs. Toi aussi. Non mais dis donc! Mais dès qu'il bouffe un truc, il est pourri, lui. Non, le chocolat, il est pas bon. Allez, vas-y, c'est pas grave. Par contre, il a besoin de social. Ça fait un peu 3 jours qu'il a pas parlé à sa famille. Il préfère se parler à soi-même dans le miroir. Pourquoi, Quentin, tu dis ça? Si c'est pas bon, tu bannes nouveau Sims, évidemment. Évidemment! Le pédophile est de retour. Allez. Pour 40%, on a augmenté de 20%. Yo, je débarque enfin. Sorry, sorry. Coucou Marie, comment tu vas? Salut Nel, comment tu vas? Vu, ils sont vus au WC et qui sont morts. Ah, d'accord. D'accord, je n'avais pas pigé tout de suite. Mais toi, t'es une. Hein? Va te laver, va. Mais elle. Mais ils sont pas finis normaux ces gosses, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Fais le ménage, rends-toi utile. On sait que t'aimes ça le ménage en plus. Tiens, regarde, tiens, nettoyer aussi là. Voilà, là, la petite blague de magnifique du coin-coin, ouais. C'est ma préf. C'est chiant, hein, mais bon, voilà. Malgré la bonne nouvelle que ma collègue m'a donnée aujourd'hui. Agent 21, cucu le chat, agent 21, cucu le chien et agent 21, cucu les poteaux de la rediff. C'est-à-dire, Marie? Elle déménage. Elle démissionne? On arrive. On arrive au niveau 9. Demande à Martial pour le ménage. Oh! Bichon! Allez! Allez! Niveau 9! Ah, vas-y.
Voilà, on a déjà fait presque la moitié de ce qu'on devait faire aujourd'hui. Tu vas me faire un petit pipi. Ouais. Bah, y a plus rien à bouffer, tout a pourri. Ah bah, tu vas me refaire à manger alors, mon petit coco. Incroyable du fût, des soufflots au chocolat. Ah oh, oui. Quand tu veux, Gaston. Ah oh, ouais. Pardon. Ah là là, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Laisse ton père tranquille. Manger des biscuits animaux. Non mais oh. T'avais plein de bouffe partout, qu'est-ce que t'as attendu? Gourdasse. Mais comme ta mère, toi. T'as vu comment ils sont méchants avec moi? Ah ok, Marie. Je te soutiens, ça sert à rien, mais je te soutiens. Et il fait encore... Hey, niveau 9, hein, il continue à faire des conneries. Et elle, elle fait des pompes. Non mais tout va bien, hein, il est 3h30 du matin. Allez, va dormir, tu me l'as saoulé. Voilà. Ouais, va te coucher. C'est normal. Alors, d'où eux qui bouffent sans arrêt des pâtisseries, pourquoi il y a une carcasse de poisson dans mon truc? Ouais, toi, t'as déjà l'intention de lui parler, parce que là, son social, c'est pas top. Hein. Fais-moi voir les soufflets au chocolat dans le pot de fleurs, comme d'hab. Oh, on va les décorer. À chaque fois, ça me fait le coup. Oh, regardez, complètement seul. Oh, Bichette. Il est tristesse. Coucou Guillaume, comment tu vas? Ça m'arrive souvent de faire des pompes à 3 heures. Je comprends pas pourquoi ça vous choque. Peut-être parce que j'arrive pas à en faire une seule. Moi, les seules pompes que je connais, c'est celles qui sont à mes pieds, tu vois. Donc, voilà, voilà. Ils ont pas changé les trucs de la fumée là? C'était comme ça déjà? Qu'est-ce que c'est drôle, Jacqueline! Demandez de garder une relation amicale. Non, c'est... non, bah non. Alors vous êtes pas mariés, mais c'est pas grave. Hein. C'est... C'est pourquoi j'ai une étoile devant la partie où j'écris. Je sais pas. Écoute, j'arrête un peu de jouer aux Sims s'ils ne font que m'énerver aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas de bol. Ah oh bah finalement, ça nourrit bien son mec, hein. Oh là là. Il faut qu'il s'assoie, mais finalement, pour me parler, il faut qu'il se rassoie, mais pas là où il était déjà assis. Ça a tendance à me saouler légèrement. Pendant ce temps-là... Hé, je suis con! Tu qu'as lui faire du charisme à ta gonze, là. À ta Germaine. Elle fait des grimaces. Qu'elle soit utile un peu celle-ci. Flatter. Nous flattons, vous flattez, il flattos. Flattissons. Évidemment. Soit c'est un dealer. Ned est aussi fatigué hier, j'attendais le live impatiemment, mais trop KO. Pas de soucis, des gros bisous, la drôlesse. Avec un bon rouge au chocolat. Mmh, éclate-toi bien. Des bisous. Bonne nuit à toi. Le Sims prochain pack, la chaise musicale. C'est ça. Mais un pack gratuit, hein, parce que... Vas-y, allez, vas-y, hein, tu compliques. Tu complimentes la tenue. Tu compliques la tenue. Rien à voir.
Putain, il bouffe, hein, celui-là. Ça m'étonne qu'il soit pas obèse, le petit. Tu me diras une fois qu'il aura atteint le niveau 10, et s'il sera fini, les pâtisseries pourront remanger normalement. Hein. En attendant, viens danser sous le sunlight des tropiques. Ça y est, il veut plus. Bah, what? Pourquoi il veut plus? Pourquoi il veut plus? Et merci, Nezuko! 04 pour ton follow, bienvenue à toi! Ah oui, il est 6h du matin. Vraiment? Ton père, il a fait des soufflés au chocolat. Ah, bah, je sais pas ce qu'ils ont, ces gosses, mais franchement, ils ont des goûts de merde, quoi. Mange pas des biscuits animaux, sacre bleu, tu vas avoir des triplés. Voilà. Ah non, tu vois, c'est le fils qui dicte par rapport à son père. Non, moi je veux mettre les dessins animés. Enfin, comme beaucoup de gamins hein, dans les foyers, hein, c'est les gosses qui choisissent. Hein. Exprime ton amour, mais bien sûr à distance. Sinon, on va se poser des questions. Je danse parce qu'il y a la musique derrière de la musique de la télé. Hein. Soit c'est un $10. J'ai même à la maison de 11 ans. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et merci pour le follow. Oh, c'est encore un petit troll qui s'amuse. Oh, tu t'es perdu quand même pour arriver ici, hein, mon petit. Allez, va faire tes devoirs. Ça ira mieux. T'auras peut-être une chance de t'en sortir dans la vie. Et remarie. Ah, on est samedi. Oh, flûte. On va se devoir gaver les gosses toute la journée. Bon, c'est bon, Jean-Claude. Mais tu arrêtes de bouger, Germaine, là. Tu me saoules, là. Tu fais un peu de charisme, sinon on va y repasser devant le miroir. Hein. Je te le dis tout net. Who's like Jeff now? Yeah. Afflin Wadida. 11%. Zumbao. C'est bien. On va refaire éliminer la journée. Ça va être chiant, hein, c'est le charisme. Ça, c'est. Je crois qu'on l'a déjà fait en plus dans notre sobérie de charisme. C'est un peu relou, mais. C'est comme ça. Je pense qu'on a dû faire, on a dû monter le charisme pour une carrière pour le coup. J'y peux rien, Quentin. On aime les trolls, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure déjà, Niri. Je sais pas encore. Peut-être qu'on fera une compète de peinture vu qu'ils auront le trait créatif. Même sans trait créatif en fait. I don't know. Because I do, voilà. Toi, tu vas épiser. S'il faut les gérer, ces gosses. Tu veux faire quoi? Non, tu vas pas dormir si t'es un peu fatigué. Ah bah, va dormir tout court alors. Ça, tu te reposes, tu remontes ton énergie. On va pas partir à la plage ou au ski là aujourd'hui. Hein. C'est objectif. Il finit. Ses compétences. Après, les gamins, ils grandissent, et puis c'est bon, quoi. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on pourra déjà élire l'Eric. Sauf s'ils sont très très moches. Dans ce cas-là, on les tue, et on en refait deux autres. Avec Fortnite. Je vais mettre mes deux héritiers dans Fortnite, et je vais faire... Et je vais faire, voilà. Celui qui survit le plus longtemps, il gagne. Oui, Jolie! Youhou! Tiens,
se renseigner sur l'hibernation. Imaginez une forêt enchantée avec Blarfly. Blarfly. Mais elle doit avoir un niveau un peu plus élevé, non? Créativité 3. C'est pas non plus... Oui, il a 4, il avait pas d'autant d'interactions. Vous voyez, il a pas autant... Merci beaucoup, Miss Noémie, pour ton sub. Non, je vais save tout de suite. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Ismaël les boules. Merci énormément pour le soutien. Et bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Oh, Toundra, t'as gagné le PQ de la mûre. Le PQ de 2020. Cette année, vraiment, aura été ponctuée par le PQ. Et les pattes. Dans le quotidien des Français. Elle fait que jouer avec. Elle s'est pas encore enseignée sur l'hibernation et pas imaginer une forêt enchantée. Moi, il y a Coco Peur qui m'intéresse. Hein. Les autres... Pour les enfants, encore, oui. Parce que je suis jalouse. Je veux le PQ, moi aussi. Moi, je l'ai, moi, je l'ai, ils savent se gérer, les gamins. Hein. Okay. Bon, cop. Pipi, douche. Pipi douche, allez vas-y, ça suffit. Il est 14h là, tu te lèves. On a un peu d'avance sur la carrière, donc on va faire de la pâtisserie. Oh la pâtisserie, surtout que... Je devrais faire ça plutôt, ça ira plus vite. Allez, on va refaire ça. Je sais, j'ai envie de cliquer sur le frigo même si ça sert à rien. Du hachis parmentier. Bégueule, merci. Mais pourquoi il peut pas aller aux toilettes? Elle va y réussir à y aller, elle! Tu sais pas. Bah si, pourquoi t'as acheté les muffins, toi? Ta mère, elle se nourrit comment? Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle a peur de son mec, maintenant? Ces gosses, ils sont tarés. Mais ben, mange, Georgette. Et lui, il fait encore le con. Ah, j'ai cru qu'il me l'avait cassé dessus, lui. Bon, on va attendre maintenant. Oh, c'est l'heure de la pub. Banner a acheté les pubs, donc je tiens à remercier évidemment tous ceux qui regarderont, qui vont se subir, surtout l'écran pub. Ça va durer maximum une minute. Voilà, c'est ça. Donc merci à tous et à tout de suite. Voilà. Oh. Genre les publicités. C'est moi la speakerine. Ça va, tant mieux, Miss Noémie. Le PQ, Mais oui, le PQ. Il mange juste une émote. Pattes et je suis refaite. Tu m'étonnes. C'est quoi ça? C'est un Doritos? Ouais, mais c'est le Twitch normal. Faut mettre le 2020 avec l'opécoute qui se balade sur l'écran du coup. Le bon Pécou. Oh. Alors 19. Ah, ça y est, il vient de dépasser son charisme grâce à sa pâtisserie. Oh, la pâtisserie, quand la pâtisserie pleure, la pâtisse pleure. Ouais. J'essaie de faire des blagues, mais... C'est pas idéal. Parce que quand elle est triste, la pâtisse pleure. Ah, si tu lui parles, flatte-la, hein. Bosse ton charisme, Jean-Claude, là. Plus, elle a ses chaleurs. Mais regardez, elle a un problème de scoliose, hein. J'espère qu'elle a pas refilé ça à mes enfants. J'ai pas les pubs, c'est random. Je sais pas comment ça fonctionne, les pubs. J'ai que celui-là, j'ai gagné à mon réabonnement. Bah, c'est déjà ça, hein.
Je l'ai aussi. Mais en fait, moi j'en ai reçu plein, mais j'étais même pas au courant que j'en avais autant. Pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. C'est peut-être en allant sur les lives des autres que je fais pas attention parce que je fais autre chose et tout. Et puis ben, pendant ce temps-là, t'as. Mais c'est bizarre parce que normalement, même si tu regardes pas, t'as quand même une espèce de petit bout de chat là qui te dit ouais, tu as gagné ça grâce à ça. Qui reste très longtemps. Donc en fait, je sais pas. Va te laver, tu pues. Il est 19h, elle est déjà partie se coucher. Enfin, faire une sieste. Oh mon biquet, t'as envie d'aller pisser? Bah, c'est pas comme si je te l'avais dit dès que tu t'es levé, en fait. Mais bon. Si tu fais ton difficile, moi, qu'est-ce que je te dise? Ah, puis alors, alors, 33 et 22. Prochaine étape, 44. 55, 66, 77, 88, 99, 111. Lul! Allez, Copper, allez, Copper, tu peux le faire, Copper, tu peux le faire, Copper. Putain, ta femme, elle est covidée as fuck là. En plus, elle aime bien le cake aux fruits. Il la regarde, donc tu vas bosser. Ton charisme! C'était quoi, illuminer la journée déjà? Ouais, je m'en fous. Allez, vas-y. Discuter de l'ennui. Que m'on donne l'ennui? L'ennui d'avoir l'ennui? Tu lui parles ou t'attends la cinglinglin? Ah, tu lui parles. Là, il lui parle. Ah ah! C'est beau, ça monte, ça monte. Enfin. Normalement. 2%! Waouh! Beaucoup trop de choses là qui se passent dans ma vie. Youm! Youm! Ah, si, tu peux pas faire du charisme sur ton. Ah si, merde, je l'ai loupé. Ah! Tac! Oh, quel beau pyjama, ma chérie! Oh, ninja. Elle a fait le ménage. Ah, c'est une fille, c'est normal. C'est horrible. Et Naï, ils vont prendre ça au premier degré. Qu'est-ce qu'il a, lui? Se sent blessé par quelqu'un à proximité. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, essaye de réconforter. Qui c'est qui a... C'est toi qui étais méchante? Ce copper, c'est moi qui le gère depuis tout à l'heure, donc je le saurais avec un A si il avait été mauvais avec son fils. C'est la mère. C'est la merde et c'est la mère qui... Oh bichon, remets-toi, petit cœur. Remets-toi, mon fils. Mon fils. Cher de ma chère, mais pourquoi on peut pas faire de charisme au gamin? Oh oui, demain, moi je vais aller à l'école avec un abat-jour sur la tête. Ça tirait très bien, mon petit. Enfin, demain. Non, parce qu'on est samedi. Demain, c'est encore une fois le... Le week-end, on peut pas. Écoutez, c'est chiant, on va en faire qu'à elle, hein, tant pis. Hein. Regardez comme ils sont mignons, ils sont à 4 à table. Oh! C'est beau. Ah, on peut acheter l'amitié! C'est incroyable ça! Suzuki avec 1000 simflou, 50 ou 250. Ah ouais? Ah, bon, mon amitié, faut allonger plus que ça. Hein. Eh, je suis pas n'importe qui, moi. Faut charisme. Je vais parler mes Sims devant le miroir. Oui, mais moi aussi, Guillaume. Je l'ai fait déjà. Mais tant qu'il. Comme ça, il est content, il a du social, tu vois, en même temps. Vas-y, flatte-la.
41. Ah, tu vas me refaire un peu de... Il veut du divertissement. Tu me feras encore de la pâtisserie. Oh, pâtisserie! Pâtisserie! Pâtisseron! Pâtisserie! Pâtisserie! Merci, c'était sympa votre petite visite, monsieur, jeune homme, machin chose. C'était cool. On est très contents. Ils sont chelous dans ce jeu quand même, hein. Je vais pas le dire, mais c'est pas la première fois, hein, mais bon. Ce sera pas la dernière non plus. Normal! Dommage qu'il n'y ait pas un mode pour donner une fessée aux enfants Sims. Ah bah non, déjà, dans la vraie vie, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Je sais pas s'il y a vraiment un truc qui l'interdit, genre une loi ou quelque chose comme ça, mais... Bon, là, il est parti se coucher. C'est bien elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partir se coucher. Eh ben, nickel, tout ça. Ouais, on va augmenter un petit peu la vitesse. Ah là là, on est kiff bourricot, hein. 9,41, 9,40. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Oh là là, c'est beau, hein. Laquelle des deux compétences va être finie avant? Le suspense reste entier. Oh non, il doit être affaît! Oh! Putain, elle démissionne. Démissionne, John! Elle va nous poser son truc, là. Elle va bosser, ouais. Un peu de retard, c'est pas grave. On s'en fout. Ouais, je les fais travailler dur quand même. Comme ça, je suis sûre qu'ils vont pas être rétrogradés. Bon, je surveille parce que s'il y a un pervers qui passe dans la nuit, s'attaquer aux gosses, c'est pas propre. Ah, c'est l'automne! J'avais même pas fait gaffe. On a un tas de feuilles. C'est l'automne, mon caramorebi. Ah, oh, mon caramorebi. Hasta la vista, baby. Manque mon rébi. Prends un congé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Ouais, parce que là, il va faire 3 jours de suite. Il a 10 jours de vacances en plus. Oh là là, comme ça, on aura le temps. Et dans 7 jours, il est vieux. Et les enfants, zéro. Zéro, zéro. Pareil, toi, t'as... je t'ai mis à manger. Tu peux manger les trucs. Par contre, il aime bien les cakes aux fruits. Hein. Ils aiment bien les cakes aux fruits dans cette famille. Je pense pas que les gens accepteraient d'avoir un mode où on peut donner une fessée. Oui, oui. J'avoue, vu qu'on peut tuer des Sims, on pourrait complètement juste donner une fessée. Mais ouais. Hormis les olives, ça a l'air fichtrement bon. Mais tu mets une base sauce tomate. Ah, pardon, d'accord, je comprends pas. Champignons, olives. Dégueulasse. Bon, bah, il est revenu. Allez, une petite pâtisserie pour t'en remettre de taf, là. Oui. Un petit pain à ma banane, tiens. Après, tu regarderas la téloche. Tu iras te vider la panse. Et tu iras dormir. Jack Marie. Oh, Spawn. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. D'ailleurs, son truc, il est médiocre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? À la limite. Mais l'autre, là! Elle squatte, la gamine! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Illumine la journée à ton gosse. Oh, non, il va... Oui, bon, ouais, c'est pas grave. Fais ta vie. Ah, il a cassé les chiottes.
Qu'est-ce que t'as? Ouais, je la surveille parce qu'elle menace ses enfants quand même. Les gamins, dès qu'ils sont petits, ils commencent à faire la ménage parce qu'avec toute la merde qu'il y a, ce papa, il a des tocs. Papa, il fait que des gâteaux. Il en mange pas la moitié, mais il fait que ça. Salut Alicia, comment tu vas? Alors, oh, c'est un programme encore très intéressant. C'est Digimon, c'est ça, non? Super enfant, catastrophe Cortex. Ah, oh, on dirait Fortnite. Ah, bah, on n'aura pas la suite. Tristesse. Tristesse infinie. Tristesse infinie. Si on va devenir adolescent, oh, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Ah ouais, et pendant que toi t'arrêtes de te... Ce qu'il faudrait que tu... Ouais, que t'ailles te coucher. Tu me diras... voter pour les plans d'action. Pour éviter qu'on se retrouve dans la merde. Rien branlé. Bah dis donc, j'ai juste fait un petit tour à Sephora. Oh, moi j'y vais jamais à Sephora. Hey, on a déjà les économies d'eau. Ah, ils ont pas voté. Allez, on va mettre ça, on s'en fout. C'est des moins pires. Oh, Youm! Allez, tu vas me manger un petit bout de ça et tu vas te pioter. Pendant ce temps, notre petit cop-cop, lui, fait dodo. Donc, on en est à 9,5 piles pour la pâtisserie. Et 9,41 pour le charisme. Je déteste, mais pour écrire une commande, d'accord. Est-ce que tu peux me dire comment on peut avoir des piercings dans les Sims? Salut Rocky, comment tu vas? Eh ben, il faut avoir alors les piercings, oui, c'est surtout avec l'université, enfin à la fac où il y en a. Mais sinon, avec des CC, tu peux en avoir aussi. C'est bientôt l'anniversaire des Jumax. Mais tu saoules, toi! Je te jure, viens une fois devant chez moi, mais je te brûle direct. En deux clics, t'es mort. N'oublie pas, monsieur Chaud, hein, que j'ai le MCC et que tu mourras si tu te pointes. Ah! Ah, oh bah attendez, les gamins, ils vont venir là! Ça va les occuper. Allez, va fabriquer des trucs, toi aussi. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de baisable là-dedans? Alexandre Amour! Yazub, Taku Akiyama! Louise Léchir! Ouh, Louise, elle a des beaux yeux verts. Vous irez dire bonjour à ça après. Quand même. Est-ce qu'il y a un petit garçon qui pourrait être pas mal? Non, toi non. Ah, j'avais pourvu qu'il y en avait là. Arrêtez de bouger dans tous les sens, bon sang. Lisa Lucien. Ah, c'est. Ah. Ces petits trouquins, elle est pas mal. Ah! Voilà notre pédophile! Pédobir is here! Punaise, elle est encore là, elle. Regardez cette mocheté. Quand je dis que c'est bien de les abattre aussi, tous ces enfants, quand même. D'ailleurs, le problème de fêter les anniversaires, c'est réglé. Ah oui, depuis un moment. Depuis un moment, c'est réglé. Et comment va voir les CC? J'ai pas compris. Mais par contre, t'as besoin de divertissement, mon coco. Allez hop, debout. Vous allez vous détendre. Voilà, crac crac. Allez hop. Direct. Ouais, y a pas de préliminaire. Hein. Ah non, nous c'est à sec. Hein. Direct. Le but premier de l'homme, c'est de se vider. Et la place de la femme, c'est à la cuisine!
Ça a été rapide, la vache. Même pas eu le temps de dire ouf qu'il avait déjà fini, le gars. Il était très content. Wouhou! Je me suis demandé ce que c'était. Allez, mange. Et tu vas me refaire de la pâtisserie. Et souffle le chocolat. On va faire après, on va inviter les gens hein, pour l'anniversaire des gosses. Hein. Oh, ça clignote. Oh, ça clignote. Oh, on n'a pas fini avec Copper. Oh là 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 Celui-là, c'est... on le connaît, lui. On le connaît. Cette âne. Ouais, ouais. Vous allez lui parler quand même. Parlez à tout le monde. Appelez, voilà. Vous parlez à tout le monde. Comme ça, au moins. On sait jamais ce que la vie peut réserver. Ah, mais c'est... je crois qu'elle était là, la mienne. Pas du tout. C'est quoi ça? Ah, c'est une fille aussi. D'accord. Pardon. J'avais pas fait... j'avais pas vu. On va pouvoir inviter la familia pour écouler tous les gâtales. Ah, le frigo est cassé. Ça va, on a un petit peu d'argent. Tranquille. Comme ça, lui pourra avancer sur son charisme. Bois ça. Elle est repartie se coucher. On va faire ça. Te recoucher aussi si tu veux, hein. On va faire les anniversaires. On n'a pas fini. Quelle tristesse. Oui, Rocky, pour avoir des CC, il y a plein de sites qui en proposent, donc c'est, il faut chercher. Il n'y a pas un site en particulier, il faut que tu cherches... Et effectivement, il y a déjà plein de monde qui en a parlé. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Cuisine. Ah oui, c'est vrai que tu l'as. Je l'avais même pas vu, cette émote de cuisine. Ah, énorme. Ça va, Moumou? Moumou est sorti. Alors, bah toi, tu vas me faire une bonne petite douchette. Parce que tu refoules. Et tu vas... Attendez. Cuisiner. On va faire des gâteaux. Du gâteau au thé matcha. Ah. Ça pue. Non, ça pue chez moi. Les voisins ont encore frappé. Ah, ça... Ah, cette odeur. Ma Moumou. Elle est bien la 5G ? Mon amour. Ça fait chlingue. Ah pardon, excusez-moi, je donne des coups, mais là ça, l'odeur envahit complètement chez moi. Allez, vous allez rentrer, puis on va inviter la famille. Parce que envoyer nos gosses, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Jacques. Jacques Ouze. Jacques Ouze. C'est pas Jacques Ouï, c'est Jacques Ouze. Voilà, on a pas confiance. Regardez comme ils sont mignons, ils rentrent à la maison. Oh, tant que chaud est pas dans le coin. Finalement, il a une obsession pour nos gosses, mais ça va. Il commence à avoir compris le message. Bon, tu te lèves, toi, fille de toi. Et on va peut-être voir, parce que vous souvenez-vous que Auton et Sunset s'étaient mariés. Et que Auton était enceinte, la dernière fois. J'en profite un peu, c'était moto. Non, mais pas de soucis, mais sur le coup, je dis, mais c'est quoi, ce truc? Je l'avais même pas vu, un dîner de pigeons. Fête d'anniversaire, évidemment. Hein, quoi? C'est nouveau.
nouveau maintenant qu'il y a des bruits? Oh, on est dans les années 70, ça. Ça, c'est des... D'accord. Ok. Ah, je... On découvre tous les jours, hein, dans les Sims. C'est merveilleux. Les Sims célébrés. Il faut que je leur fasse prendre... Il faut que je leur fasse prendre... Oui. Faut que je leur fasse prendre des congés. Des conjax. Ah oui, c'est vrai, on s'était battu avec cadeau. Non, alors sûrement pas le pédophile de ses morts. Bon, bah, il y aura pas beaucoup de monde. C'est pas... Alors, on va inviter les autres. Voilà. Hein. Faut du monde pour écouler nos pâtisseries. Ah, ok. Très bien. Oh, oh la tenue! Mais non! Oh putain! Oh, j'avais oublié lui aussi! Oh la vache! Ah ouais! Reprendre. Mais reprends ton gata, toi, wesh! Coucou! Ah! Yeah, ça a pas l'air de passer. C'est une gamine, Sunset? Mais t'es pas bien, toi? Je sais que moi j'aime pas les gosses, mais quand même. Est-ce une idée d'agresser ton neveu et nièce? Non? Encore cela, c'est les seuls que je tolère. Qu'est-ce qui s'est passé, Fox? Je vois bien qu'il y a eu un problème là. Oh, c'est triste. Hein. Oh, le gatal! Le gatal vert! Coucou Sunset! Automne, pardon, je sais plus moi comment ils s'appellent ces gens-là. Tchip! Tidati! Alors, ça a déjà été entamé. Et ça, c'est pourri, on va le mettre sur la table. Le gatal! Les boujax! Voilà, ça va falloir. Ah, on va flatter, on va éliminer les journées parce que c'est trop bien la vie, poil aux zizi. Ouais. Demander un gros prêt ou un petit prêt. Tant que c'est pas autre chose. Un mot ? Mon fils, t'arrives à. Un petit cœur. Aidez-la. Oh, et oh ! Mais wesh, mais Sunset, ça va pas bien, non? Pauvre gamine! Ils connaissent pas tonton, hein. Ah bah, ils connaissent pas tata non plus, hein. Comment vous voulez avoir des cadeaux si vous connaissez pas les tontons tata, vous? La sœur que vous connaissez, elle vous agresse. C'est triste. Ah bah, ils peuvent plus, d'accord, c'est cool. C'est cool! Ok, d'accord. Je me suis demandé ce que c'était. Non, c'est Dex, c'était dans la litière. Alors. Ok. Pourquoi il y a un problème? J'arrive plus à... Ouais. Lui, il va faire son charisme, hein, je suis obligé. Hein. Est-ce que tu peux... lui donner des conseils, là. Sur l'éducation, parce que je crois qu'elle est mal barrée, ta sœur. Tu peux pas donner des conseils derrière. Toi, tu vas. Eh, hey, Sunset, on va la foutre à la porte, tu verras. On va l'envoyer bouler. Parce qu'elle a agressé nos gosses, celle-ci. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Mince! Hey, merci beaucoup, Bev, pour ton follow. Bienvenue à toi. Toi, tu as découvert une religion. Ouais, c'est ça. Il s'est repenti entre temps. Franchement, je me souviens pas l'avoir looké comme ça. Hein.
C'est même pas orange. Donner les conseils familiaux, c'est à elle que je devrais le dire. Je peux pas lui donner. Après, on va aller voir. On va aller voir ce qu'a pondu Automne. Évidemment. Ce qu'il faut. Ah, c'est bien. Toi aussi, tu peux aller au pipi. Hein. Ah! Ça y va un moment, oui. L'amour fou. Nouveau look pour une nouvelle vie, pardon. Ah là là! Salut Inspi, comment tu vas? Inspi peut-être. Pas Inspi. Tiens, Marine. Elle m'a l'air toxique. Ouais, elle a l'air en problème, hein. Elle n'est pas censée être allergique aux enfants, ou je m'en souviens pas, mais... Peut-être, hein. Alors, mon petit copper, tu vas inviter... Celui-là, il est pourri entre-temps, ok. Tu vas pouvoir inviter, appeler à table pour la bouffe. Bon, ce temps-là, il fait du charisme. Hein. On va y arriver. Moi, j'y crois. On est à 1h11 de live, enfin d'épisode, là, donc on a encore une bonne vingtaine de minutes, voire une demi-heure, pour finir. Bon, c'est chaud. Hein. C'est tendu. Oh, on est encore au coude à coude entre la pâtisserie et le charisme. On pourrait même croire qu'elle est encore enceinte. J'ai pas cette impression. Alors, tu as complimenté la tenue. Non, on ne commence pas à être malade. Hein. Pourquoi à chaque fois il veut des gros prêts là? Laisse-les tranquilles leur argent. Que même. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle en peut plus, elle est dans tous ses états. Alors, bon, allez, on va fêter l'anniversaire. Sentiment obtenu. Tu sais quoi? Ça a été merveilleux de passer du temps avec toi. Ouais, super. Allez, tu vas souffler les boujax, mon petit. Mon petit chamallow. Chamallow. Toi, au lieu de s'en servir à rien, tu vas faire la cuisine? Parce que la place de la femme, c'est la cuisine! Évidemment. Aspa! Jaffa crie! Oh! Qui a bouffé le gâteau? Toi, tu vas. Oh! Super. Chut, zen. Finale ball, boys. Pas grave, on va fêter l'anniversaire de Chamam Cham Cham. Cham Cham. Après Sam Sam, c'est Cham Cham. Ok. C'est quoi qui est haut? C'est le gâteau qui clignote comme ça, là? Ah ouais. Il y a une illumination, le gâteau. Allez! Chamallow! Oh là là! Bon anniversaire, Chamallow! Oh! Oh putain! Oh, comment il me fait penser à Gaspard! Dans le Lord of Lady. Il y a mes poupes de cheveux. Cham, 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 chamallow. Le bâtard pas touche au gâteau. Le mec du gâteau me ressemble un peu, c'est suspect. Bah voyons, bah Ricardo, tu me rends tout de suite mes bouts de gâteau. On est obligé d'en refaire un deuxième. Déjà que la fille, elle avait déjà pas grandi en temps normal, on avait dû tricher. Mais alors là, on va le temps qu'on fasse un autre gâteau. Alors, aspiration auteur de best-seller. Non, c'est pas ça. Ça doit être dans... connaissance. Quoi? Non. Créativité! Oui. J'ai dit de la musique. Auteur de best-seller. Bah non, il fallait le temps que je trouve. Soigner froid créative. On a déjà le soigné.
On va le faire créatif parce que comme ça, elle, elle est créative, sa sœur. Oh, ce look! Les années 70 sont de retour! Putain, il ressemble à son père. Il ressemble de ouf à son père. Version blond. Mais il va être looké avec du rose, ne vous inquiétez pas. Allez, cop cop! Ouais, on peut pas. Non mais lui il va mourir. On fait l'anniversaire hein, pour l'instant. Mais dès qu'on peut, on le flingue. Fais le ménage. Hey, Copper, faut refaire un gâteau parce que sinon ta fille elle grandira pas. Par contre, vas-y, tu peux manger un truc là. Au lieu d'être au... Qu'est-ce que tu fous à l'ordinateur si ton anniversaire vient socialiser aussi? Pardon. Oh, mais cette tenue, elle, c'est juste pas possible. Je suis étonnée quand même. Bon, il est pas mal, le petit chat malo. Bah écoute, tu peux bouffer ton gâtal, hein. Vas-y, hein, profite hein, maintenant. Hein. Au point où on en est. Hein. Tu peux remercier ta tati d'être là, ton tonton d'être là, ton autre tati d'être là. Même si elle va t'agresser verbalement après. Ouais. Ah, bah, tu connais pas non plus les frères et sœurs, toi. Elle peut pas parler à Fox. Elle a l'interdiction. Mais ce look, Chamallow, fan des années 70, hein. Incroyable, magnifique, superbe. L'estomacance. Alors, s'il te plaît. Alors rien n'est sauvé, hein, parce que bon, comme on a pu voir, avec des bougies dessus. C'est bon, Ginette? T'iras souffler tes bougeacs après. Et papa, maintenant qu'il a fait ce qu'il voulait, tu vas illuminer les journées de tout le monde, comme d'hab. Ah, puis alors là, c'est facile d'accès pour tout le monde, pas elle. Fait chier là. Ah, j'ai raté. Hop, on va faire un petit flatté. Toi, tu peux toujours être sympa avec lui avant qu'on le tue. Voilà. On s'en fout. Faut bien qu'il serve. Hé, hey, Germaine! Mange ton petit soufflé au chocolat. Tout le monde a rosa. C'est ça. On adore. Un doudou? Petit chouchou. Je vous avais dit que mon Emmanuela avait de bons gènes. Bah là pour l'instant Oupsie. Pour l'instant il a surtout pris de son père. Qui avait déjà pris de son père. Qui avait pas pris de son père. J'ai pas encore la miniature hein. Peut-être dans ce sens là. Parce qu'il y a des gens hein, qui polluent. Attention! Ah, bah elle est là. Ouh là là! Ouh là là! Ouh belour! Le petit minois! Le petit minois, donc best-seller. C'était dans créativité. Tac, et on va mettre soigné. Pour être comme son frère, comme ça, au niveau de la con. Qu'on les fera battre, se battre l'un contre l'autre. Tac. Je vois pas où il y a du rose là-dedans, mais on est d'accord que. Oh le look! Oh le look! Mouais! Avoir relooké! Parce que là, effectivement, avec une tronche pareille, en tout cas, elle a des sacrées dents, hein, on pourra pas dire le contraire. J'en suis jalouse même, parce que ça c'est du dentier, ça, hein, ça c'est du dentier de première qualité, hein. Avoir relooked. Parce que là elle fait la gueule. Sachant que c'est la seule. Bah, qui a ses yeux le. Qui a ses yeux le. Qui a ses yeux le. Le. Qui a ses yeux là dans... entre les deux. Ah vas-y, hein.
Oh, regarde ta tati, la dalle, ou je sais pas quoi, vas-y, tu parles. Tu parles, tu parles, tu parles aux gens, on s'en fout. Il est où, lui? Il fait quoi? Allez, faut que tu parles. Tu vas faire... Il fait la gueule. Regardez la tronche qu'il a. Non, pas un gros prêt, ni un gros paix. Hein, on demande rien. Je clique trop vite, moi. C'est pour ça. Je clique plus vite que la musique. Après, t'as déjà à manger, en fait. Tu vas complimenter ta fille. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui complimenter sa tenue. Oh, elle aussi. Oh, qu'est-ce que t'es bien habillée, Manuela. Incroyable. Tu brilles de mille feux. Salut Justine, comment tu vas? À la fin de cette journée, génération rose. Bah ouais, mais ils ont pas encore été relookés. Ça ira. Ça ira. Oula! Ah oui, mince! On va prendre des congés. Ouais, elle aussi. On est un petit peu occupés. Bah oui, on fête l'anniversaire de nos enfants. Charles-Édouard, mon ami! Sianana. Oui. Coucou Sianana, comment tu vas? T'as tout loupé. Comme d'hab. Non, je rigole. Ah, I déconne. Because I am a very big clown. You know? A big clown. Le plus accessible, c'est la tenue. Hein, donc, Et là, sans crier gare, on va arriver au niveau 10. Elle aussi vers l'Orient Rosa, elle sera obligée. Ouais. On relookera ça. Je sais pas. Je sais pas quoi. Salut Louise, comment tu vas? Ah non! Ah bah va pipi, Jacqueline. Attends, il est où l'autre? Que je le flingue. Il est là. Alors, non, je peux pas le cliquer. Je peux pas le cliquer. Oh non. Oh la tristesse, je peux pas le tuer, il est pas cliquable. Attendez, comment il s'appelle? On va tenter la chose ultime. Ah non, mais moi, je... Voilà. Naoki Ito. Sim not found, d'accord. C'est reset sim. J'ai peut-être pas fait le truc avant. Je le fais jamais, hein, ce truc-là. Non. Ça marche pas. Ah, il a des pop. Enfoiré de tes morts, on s'en fout. Je l'ai dans le calepin. Alors, vous voulez qu'il meure comment? Commande du Sims. Notification. Attendez, je sais plus. Je pense à ce qu'il faut. Il vaut mieux qu'il soit là pour qu'on rigole, en vrai. Ouais. Oh, on essaiera de le choper quand il passe. Et on le tabasse. Ça va, Auton? On va aller voir ce que tu nous as pondu. Allez, alors là, déjà que j'avais pas enlevé les pots. Là, il va kiffer sa chambre, ma petite chambre là. Un tir à dormir aussi. Donc, Copper. Copper. Deux enfants. Un enfant. Un petit garçon. Vincent Garner. Qu'elle a eu avec... Pour l'instant, notre petite Sunset n'a pas fait d'enfant. Et Fox est toujours célibataire. Depuis Pepper... Tac, tac, tac. Oh, c'est un arbre très pauvre. Hein. Voilà. Mais on en y est. Hein. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Oh le bordel, j'avais pas fait attention.
Tu peux venir nettoyer Germaine? Toi, t'es où? D'où tu vas dormir? Oh, mais on a bien avancé! Oh là 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 là, 74%! On y go! Au frigidaire comme un gâteau. Enfin, la plante mère. Bah non, je peux. Bah s'il y a plein de plantes mères, je peux pas. Je sais pas. Tu l'aimes bien? Oui, mais non, moi je l'aime pas, il a bouffé mon gâteau. T'as fait le ménage, toi? Ouais, enfin, ouais. Si, ça va, ça va, ça va. J'ai rien dit, elle a fait le ménage. Alors, on va mettre les gâteaux dans le frigo. Eh, dors, Jacqueline. En vrai, ça lui va bien. Allez, un petit niveau 10 avant de dodo. Allez, un petit niveau 10 avant de dodo. 85%. Bon, il en a marre. Qu'est-ce que quoi? C'est lui, t'as une envie de sauvage de prendre un bain, mon petit? Ouais, oui. Oui, 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 oui. Tu retourneras au lit, hein? Dans ta chambre rose. Oh, c'est quoi cette chemise? Oh, ce look! Oh, là. Oh, dis donc, il a du style, hein, ce garçon. Chamallow. Chamallow a du style. Maintenant, dans Sims, congédié le Sims. Bah, pas congédié, congédié, c'est. Ah, tu vas au lycée, là, comme ça? Ok. Et pas ta sœur, bah, comme d'hab. Bah oui, bah, il a fallu refaire un gâteau, sinon... elle aurait pu y aller, mais... Naoki a eu envie de bouffer le gâteau, donc... Mon copeur! Tu te réveilles. Allez, 1200 de boîte aux lettres. De boîte aux lettres. 1200 de factures, à boîte aux lettres. Allez, vas-y, hop, ça c'est fait. Copper, dépêche-toi. J'ai une génération à finir. C'est pas possible, on va y arriver. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout, on va pas aller à la fac. On n'a pas le temps. C'est le jour de la nouvelle compétence. Les compétences se développent plus vite. Ah bah tant pis, j'ai loupé. On a fait l'anniversaire. C'est vraiment dommage que certaines branches de l'arbre généalogique disparaissent. Je pense que ça ferait trop après. Chamalorité. Comment du Sims maintenir le Sims, tuer le Sims. C'est pour ça, tu vois, c'est débile. Tu passes de maintenir à tuer le Sims. Fringo Chow, catcha! Eh, toi, va courir un peu. Allez, va courir. Mais meuf? Comment tu sais qu'il va falloir un correspondant et faire la carte postale, en fait? Tu m'as entendu tout à l'heure? Mais rien ne dit que tu seras l'héritière, hein, Jacqueline? La meuf, elle a posté elle-même comme une grande. J'hallucine. I hallucine myself. J'ai un mode pour que l'arbre généalogique ne disparaisse pas. Ouais, j'avais ça aussi, mais je crois que ça a jamais marché. C'est louche. Bah, elle est chelou, hein. Non, je pense que c'était la tenue de dehors. Là, c'est sa tenue. Ouais, bah, c'est une tenue de sport. Bon, après, elle est mince, hein, mais c'est pas grave. Comme ça, elle se vide l'esprit. Et elle est toute cracra. On n'a pas croisé l'autre tanche de bouffeur de Gatal? Non. Hop, tira. Tira de douche. Yeah, yeah, yeah. Ça, c'est la tenue de temps chaud. Voilà, déjà la jupe, hein. Ouais, oh là là, mon dieu, ma pauvre. Quelle vie insupportable que tu as, ma petite. Allez là, hein? Ah. Tu peux le faire, Copper.
5%. Il restera encore après la pâtisserie. On finit aujourd'hui. Hein. Allez, je suis à 1h29. Alors, tu vas prendre du congé. Sécher les cours. Prendre un jour de congé. Oui, oui, oui! 99! Mais ta mère! On gâche tout, ces gosses. 100%! Oh, ne t'arrête pas maintenant. Oui, tu feras de la pâtisserie après. Oui! Oh! Vas-y, c'est bon, tu peux arrêter. On a 10 en charisme. C'est parti, mon zizi. C'est parti, les amis. Ça va, Momo? Tu t'éclates? Regardez-le. Oh mon cœur. Oh mon doudou. Connard, maman. Un petit peu gratouillonné, oh oui. Oh oui. Petit bébé. Oh, t'es tout mouillé, qu'est-ce que t'as foutu? Tout mouillé à son nez, ce con. Non, c'est pas un con, c'est doudou d'amour. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Oh là là, mais regardez-moi ça. Mais tu vois bien que tu peux pas aller à la cuisinière. T'es bien une blonde, toi. Les blondes. Tu peux me vider ça pendant que tu y es. Hein. Tu sais, ça te... Niveau bouffe, t'avais ça aussi par terre. Hein. Et là, ça a fait des toasts avec des... Eh ben, tu bouffes ça. Cop, pipi. Et puis, tu nous fais des pâtisseries sans discontinuer. Voilà, ça va être comme ça. Ça va être chiant, hein, à partir de maintenant. Ça va être... Bah, déjà que c'était déjà chiant avant, vous allez me dire. Bah, et donc, Charlie, elle est gentille. Elle nous prévient que ça va être chiant, mais c'est chiant depuis le départ, en fait. Ouais, je sais. Mais là, ça sera encore plus. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que je suis sympa. Chamallow est entré à la maison avec un projet scolaire. Bah, c'est super! Bah, il mangera. Lui, il est obsédé avec sa poubelle. Non, tu t'assois. Pendant que ton père il va cuisiner, tu t'assois. Tu t'attends qu'il sorte un truc. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Repas déséquilibré! Ah bah, on va courir. Va courir si t'es pas bien. Ça te fera rattraper tes ce que t'as pas bien mangé. Si t'es pas content, tu te casses. Ma loulou. Vous voyez derrière, petit cœur. Tu t'en sors, hein. Sur son grammairat. Et Copper. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? T'as mis des... Bon, vas-y. Je réagis même plus maintenant, ce jeu. Il est tellement... hein. Le mec, il a été chercher les espèces de préparations pour faire des œufs ou une omelette, j'en sais rien, là, avec du pain, j'en sais rien, du truc fromage grillé pour mettre dans ses soufflés au chocolat. Ce look. Je suis obligée de rigoler. C'est bien, il est bien élevé. Moi, c'est bien... C'est bien. Je savais plus quoi dire. Tu viens jusqu'à quelle heure? Ouh là là! Bonjour à toi, Maëlys. Et ben, jusque au moins demain matin à 6h. Au moins. Non, peut-être pas jusqu'à 6h, mais bien minuit passé, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'après l'autre Sobéry, on fait de la constru. Ouais, dégustation de boissons délicieuses. C'est nous qui avons voté, c'est nous qui avons gagné. Le pédophile. Ah mais lui aussi, il faut qu'on le tue. Hein. Je vous jure. Passez dans le coin là. C'est quoi? Non. Passez dans le coin que je vous massacre un peu.
qu'on rigole, que vous mourrez comme ça sur la place publique, là, que tout le monde vous pleure. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Aurore Berry! Ah ouais. Ah non, ça ira. Alors, bah toi, tu vas faire tes devoirs. Et toi, eh ben, tu as un truc à faire. Donc Mathieu commencera à le faire. Voilà, faut bien s'en occuper quand même, c'est la relève, hein. Emmanuela, c'est pas obligé. Alors, tu vas me prendre une portion de ça. Voilà. Et encore une. Qu'est-ce que tu veux te... Ouais, tu vas te prendre une douche. Et c'est reparti après pour... C'est pas grave, il dormira plus tard. Quand j'aurai plus besoin de préparer des pâtisseries. Je vais en faire deux trucs de pâtisserie parce que... Je sens qu'il va pas... Voilà, il augmente son social. Allez, cop. Douche. C'est la fatigue. Note à moi-même, ne jamais regarder les plats japonais. J'ai envie de faire les ramen. Bah écoute, vas-y, hein. Bon, déjà, toi, à qui tu parles? Va m'aider ton fils. Et arrête de regarder la télé. Sakura, et bah c'est bien, tu vas aller faire aussi ça. Allez, hop. Ta 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 ta. Où en est-il de sa promotion? Eh, 9,83, on va y arriver. On l'a fini ce soir, la génération orange. On l'a fini ce soir. Ouais, qu'est-ce qu'on est bien ce soir. Ouais. Il commence à plus être bien. Après il ira se coucher, mais pas longtemps. Moi je vous le dis, hein. Continue. Je les invite pas. Si je les croise. Sinon ils vont mourir sur mon terrain et je vais devoir récolter leur tombe. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux juste qu'ils meurent. Je la sens la rancune ou pas? Ils ont osé marceler et en plus bouffer mon gâteau. Ils vont mourir. Oh là 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 là, 88%, cop. Va dormir. Ah, c'est au camp ici. Hein. Et voilà, il a pas le temps de réfléchir, ni oui ni merde. Par contre, le divertissement, faudrait qu'il remonte. Qui c'est qui a cassé? Ah, c'est gosse. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'était tes macaronis à toi? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas assez de bouffe dans la maison. Triangle. Merde, je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Parce que mon écran s'est éteint. Au même moment. La 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 la. C'est beau. C'est bon, t'es bien. Viens, tu vas pisser. Oui, tu vas... Oui. Là, regarde un film. À 4h du matin. C'est normal. Regardez comme ça remonte vite. Allez, cop, c'est parti, mes amis. C'est parti, les amis. Ouais, c'est parti, les amis. La pâtisserie, la pâtisse pleure, la pâtisserie pleure. La la la. La 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 la, des beurres de caramel mou. On est à 12% de finir la génération orange. Pa. Qu'est-ce que tu t'en sors? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que il a encore faim. C'est une machine à bouffe. Un estomac sur pattes. Allez, 11%. Quentin, t'as de ces questions? Éteins juste l'écran et garde la télécommande. Pour couper? Ah, 7%! 6%! 5%!
4%. 4, 7, 3, 2. Oh mon dieu. Allez, c'est parti les amis. C'est parti les amis. C'est la dernière pâtisserie. Promis. 99% de pâtisserie. 100% de pâtisserie. Oh les enfants, ça y est, c'est officiellement terminé. La génération orange est terminée. Nous allons pouvoir maintenant déterminer qui sera. Qui sera. Qui sera. Qui sera. Qui sera l'héritier rose, dites-moi. La seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui sera, qui sera, oui, qui sera. Et ça, on en fera, on en parlera la semaine prochaine. Voilà, voilà. Braval Cop Cop. Oh là 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 là, ce fut intense, incroyable. Une vitesse folle et fulgurante. Il est 8h du matin. Non, va pisser, meuf. Chamallow. Mince, j'ai oublié de lui donner. Bon, tu vas... C'est elle qui le fera. Avec son petit truc, là. Germaine, tu vas aller en cours. Est-ce qu'on s'arrête là? Ils vont à l'école. Et puis, on s'arrête là, quoi. Ça, la semaine prochaine. Ben, ils seront relookés. Et puis ce sera bien, on aura une nouvelle chose à faire dans la vie. Ça va, on n'a pas trop perdu de temps. La génération rose, on pourra la commencer à rapidement aussi. Bah voilà, tout le monde parti se coucher. Bah moi exactement. Elle est... Bah non, elle est où elle? Elle est partie dormir dehors là. Pourquoi? Pourquoi tu es dormi... tu as dormi dehors? Je ne comprends pas. Oh, Doudou, il essaye de manger mon cœur. Oh, ça me fait pitié. Bah, YouTube. Allez, reviens à la maison. Ok, moi, c'est ici que j'arrête pour le Not So Berry. Merci, YouTube, d'avoir regardé cette rediff. À partir de la semaine prochaine, donc, on commencera la génération rose. Et on va les départager. Donc, si vous avez une meilleure idée pour départager entre le fils et la fille... Je voulais dire la garçon et le fille, mais... Voilà, j'ai raté ma vanne, qui était pas drôle. Et n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous. Ciao.